Que notre joie demeure, ça raconte l'histoire euh, d'une architecte de renommée internationale qui s'appelle Céline Wachowski, qui est originaire de Montréal, qui a travaillé partout dans le monde, qui a construit des édifices très connus, qui est devenue ce qu'on appelle une star architecte, donc, avec sa série Netflix, avec euh, ses entrées aussi dans le monde euh, politique, bourgeois et artistique un peu, un peu partout. Puis, euh, ça... son rêve à Céline Wachowski, c'était de donner un grand édifice public à sa ville natale, Montréal. Le jour où elle va obtenir un contrat euh, de cette envergure, la, le projet va connaître une forte contestation populaire. Donc il va y avoir des manifestations contre la construction de ce siège social d'une grande multinationale. Donc je m'intéresse euh, au point de vue de Céline Wachowski, donc ce point de vue-là d'une femme qui est très privilégiée, qui est très aisée, qui est très fortunée aussi, à son point de vue sur la lutte sociale. Comment est-ce qu'elle peut comprendre ou non la remise en question de ses privilèges, euh, surtout quand ça touche quelque chose d'assez intime qui est de l'ordre de la création artistique. Je pense que les ultra-riches euh, ont imaginé toutes sortes de dispositifs pour se retirer à la vue de tous et toutes. Donc euh, leurs maisons nous sont inaccessibles, souvent euh, elles, sont, elles sont entourées d'une clôture ou d'une palissade. Donc je trouvais ça intéressant de, de, de m'imaginer un peu comme un courant d'air, puis le livre commence comme ça d'ailleurs, avec un courant d'air, qui réussit à s'infiltrer dans ce monde-là où j'ai où on ne m'invite pas, où je n'ai pas mes accès, pour représenter justement cette, cette classe sociale-là qui, qui est peu visible, mais pourtant très puissante puis qui, dirige des, qui décide pardon, des grandes orientations de notre monde. Euh, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on démolit, euh, dans, dans quelle direction s'en va la société. Donc, euh, je trouvais ça important de, de, de simplement aussi les montrer. Les montrer pour qu'on qu voit ces, 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 ces visages-là qui, euh, qui, qui tirent beaucoup de ficelles dans nos sociétés puis tout en réfléchissant aussi au pouvoir euh, extraordinaire, immense qu'on qu les autorise à avoir. Donc avec, avec ces sommes d'argent-là, euh, les gens qui accumulent des milliards et des milliards de dollars, ben, ça vient avec un, un, un pouvoir, je pense, qui, qui est démesuré. Puis je crois même que c'est irresponsable socialement de permettre à des gens d'accumuler autant. Chaque roman, pour moi, est indépendant dans sa forme, dans ses thématiques, puis doit former une forme d'unité euh, singulière. Donc, euh, je, des fois aussi, j'ai même l'impression que chaque roman est un peu la trahison du précédent, que je ne me sens pas avoir une obligation de fidélité à euh, une vision du style ou à une, un ensemble de thématiques. J'aime pas penser l'écriture comme une marque de commerce, j'aime penser l'écriture de, de manière... Euh, Libre. Puis donc, ce projet-là, euh, l'écriture est différente. Il y, a, il y a quand même des points communs avec RL dans le sens qu'il y, y a une forme de poésie aussi dans la, dans la description du monde, dans la description de l'intériorité des personnages. Mais la phrase, le style, la composition même du livre est différente parce que les textes qui m'ont influencé, ce sont des textes qui mettent en scène euh, les classes dominantes, disons. Puis beaucoup des textes du début du 20e siècle. Donc, le roman moderne, Virginia Woolf, Proust, Henry James. C'était vraiment mes lectures de chevet pendant que j'écrivais Que notre joie demeure. Puis, cette, euh, cette nouvelle manière-là, à l'époque, d'écrire l'intériorité humaine, euh, m'apparaissait intéressante aujourd'hui à, à réactualiser pour penser, pour penser justement l'ensemble la, la, de discours justificatifs que les individus peuvent euh, se composer. Donc, il y a un moment dans le livre où je dis qu'il y a un personnage qui, qui, qui pense à Céline Wachowski, l'architecte, puis qui dit sa plus grande construction, en fait, ce ne sont pas les, les, les tours ou les théâtres ou les musées qu'on connaît partout dans le monde. C'est la forteresse justificative qu'elle s'est construite pour, euh, pour justifier puis asseoir son mode de vie. Puis la, la, donc la longue phrase, euh, aussi ces fêtes-là où il y a toutes sortes de points de vue différents qui s'entremêlent, euh, des subjectivités qui entrent en collision les unes avec les autres. Donc l'unité de la fête m'apparaissait aussi vraiment intéressante pour multiplier justement les points de vue politiques. Donc pour écrire euh, chacun de mes livres, je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Euh, Celui-là, la recherche était assez vaste. Ça... Ça allait de l'histoire de Montréal, de l'histoire de la ville, à l'histoire de l'architecture, à... aux grandes questions qui touchent l'architecture aujourd'hui, l'esthétique euh, aussi de la construction des bâtiments. Euh, je me suis intéressé à la carrière de certains architectes, aussi au parcours de gens qui ont accumulé des grandes fortunes, com comment ces parcours-là se définissent euh, généralement, est-ce qu'il y a des grandes lignes de force et tout. Euh, donc la, la... Mais la recherche sur les riches en particulier, euh, C'était intéressant parce que là, je n'avais pas accès. Souvent, je fais des entrevues aussi. Par exemple, j'ai interviewé beaucoup d'architectes pour écrire le livre. Mais là, j'avais pas accès à quelqu'un de milliardaire. Je, moi, je ne connais personne de milliardaire. Euh, je sais même pas comment les contacter, ces gens-là. donc Mais je trouvais que cette, cette, cette impossibilité-là était fructueuse, en fait puis disait quelque chose aussi de notre monde de, de cette distance là euh, qui existe en, en, entre les classes sociales puis donc euh, je suis allé par des chemins de traverse donc je me suis intéressé par exemple au, à la sociologie de la bourgeoisie à des aux travaux des pinson charlot par exemple qui ont beaucoup travaillé avec les grandes familles françaises euh, j'ai aussi j'en ai aussi parlé à des amis qui connaissent des gens ou des donc parfois par euh, par euh, discours euh, interposés on arrive à avoir des informations puis finalement je me suis intéressé aussi à cette classe sociale-là, mais à celle du passé, parce qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça. Puis on a beaucoup plus de documentation sur, sur les riches d'il y a 50 ans ou 100 ans. Donc ça a été ça l'éventail, disons, de méthodologique de mon livre.